Oui, mais vas-y. Alicia, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu des blagues. Alicia est enceinte. Comment? Oh, Alicia, c'est qui le père? C'est Antoine. Avec Alicia et moi, non, toi. Les deux en même temps. Putain, il est chaud. Ah, non, non, je rigole, je rigole. Je rigole. Je rigole. Parce qu'elle mouille, Alicia. Tu connaissais mon intro déjà? Non. C'est. Yo, c'est. Bonjour, des non, copains c'est... ou un bac comme ça? Non. Attends, on va aller pas voir. Pas du tout. C'est pas mes potes. Attends, on va aller voir. Mais c'est pas Yo, c'est Tristan? Yo, c'est Tristan. Oui. Yo, c'est Tristan, le drôle. C'est... Salut les copains. Il y a un truc, un machin non, copain. Y a pas de copain pas du tout. Si, il y a un truc. Yo, c'est Tristan pour une nouvelle vidéo. Ah, on m'a même pas dit. J'avais le début, oh. Voilà, hein. C'est pas les potes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec les potos là. Faites du bruit. Yo! Nous avons accompagné d'Alicia, Clémence et Nathan. Aujourd'hui, on va faire un joke de papa. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ce que récupère. Il n'y a pas plus simple. Du coup, nous sommes en équipe. Je serai avec Alicia et ils seront ensemble comme dans la vraie vie. Non, arrête! C'est parti! C'est moi contre Nathan. Excusez-nous. Donc, première manche, tu veux commencer ou pas? Vas-y, vas-y. C'est perturbant, okay. Je suis en plein centre là. Alors, sachez que ces blagues, par exemple, pas papa, maman, mes blagues sont beaufs, d'accord? Donc, merci. Ma soeur, tu dis pas maman. Hein. Ok. Poker face. C'est une chanson de Gaga. Pourquoi les ch'tis aiment la fin des vacances au camping? Pour démonter leur tente. Ah non. Ah non, ouais, ça c'est... Ça compte pas. On sera plus indulgent de la fin. Et grâce à quoi peut-on enlever le chewing-gum dans les cheveux? Je sais pas. Je vais rigoler, parce que je la connaissais. C'est quoi? On a même pas eu tout le monde. Du coup, c'est quoi la réponse? Le cancer. Le cancer! J'ai pas compris. C'est bon, alors. C'est bon. Voilà. Bon, ah, j'ai perdu. Non. Que fait un chinois sur une mobilette? Non. Mais là, de toute façon, il y a 2-2. Ma pauvre Esther, c'est mort. T'as des mouchoirs, Clémence? Oui, dans la. Ça, ça sera dans la vidéo, ça. T'as des mouchoirs, Clémence? Bah, quoi? C'est quoi le problème? Je sais pas, c'est marrant. D'accord. Merci, c'est bon. Pendant qu'Alicia se mouche, vous pouvez mettre un like et vous abonner. Attention, gros plan sur la vidéo sur la tête d'Alicia. T'es prête? Oui. Attention Clémence, vas-y. Quel animal peut lire l'avenir? Une poule de cristal. Non, Alicia. Non. C'était pourri, mais c'était tellement pourri que ça m'a fait rire. Attends. Celle-là, je suis désolée, papa, non. Ça promet, tu vois. Ok. Je suis pas sérieuse, mais le rire qui est là, tu vois. Le rire qui est là. Quelle est la différence entre un Ricard et un 69? Je sais pas. Le Ricard t'as né dans l'anus et le 69 t'as né dans l'anus. Non, Clément. Mais c'était fini là! C'était fini, non, y'a pas un temps! T'as pas le droit de rigoler, c'est pour! Ah, mais il faut expliquer, regarde là! Tristan. Les enfants, c'est comme les proutes. On ne supporte que les siens. Mais il a les prouites? Non. Je suis d'accord. C'était de la merde! Pourquoi faut-il se boucher les oreilles en rentrant dans une église? Parce que j'ai écrit. Non, Alicia! Merci, Nathan, de connaître des blagues. Je sais. Vas-y. Ah, quelle est la différence entre la sodomie? Je rigole pas! Et les épinards?
Même avec du beurre, les enfants n'aiment pas. Nathan, on rigole pas. Respire. Elle pleure. Les gens, je rigole pas. Elle a une larme sur la joue qui est descendue. Bon, je pense que... Qu'est-ce que je peux dire? Attends, je suis en train de bouffer. Je laisserai. Non! Bah si, du coup. Bah non. On entend. Quel est le point commun entre un beauf qui vient de se réveiller et un élastique? Tous les deux tendus. Il s'étire, il s'étire, il s'étire et il pète. Non. C'est bien, on part à toi. Ça va aller tout le temps. Putain. Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle? Nathan, tu rigoles pas celle-là. Un bébé dans deux poubelles. Il est né. Il arrive. Il a que 9 minutes. J'ai une dégaine de plouc, j'ai mes potes qui regardent. Franchement. Coucou. Tiens, tu fais coucou Antoine, coucou Julie, coucou Thomas. Qui est le meilleur site pour un homme qui cherche un lave-vaisselle? Un site de rencontre? Oh non, c'est. Sinon, mais je suis pas d'accord là, c'est sexiste. C'est ça qui est marrant. Bah. Quelle partie du légume ne passe pas dans le mixeur? La chaise roulante. Rigole pas, Nathan. On échange? On peut, ouais. T'as pas compris en fait, ah. Si. Quelle est la différence entre un... Un point pour nous. Un vrai point. Non, non, c'est un pas celui qui a commencé. Ah oh merde, bah, du coup je m'en fous, j'ai perdu. Et un, entre un rappeur et un campeur. Quelle est la différence entre les deux? Je sais pas. Le rappeur il nique sa mère et le campeur il monte. Mais le pire c'est qu'au début j'avais pas compris sa blague. Comme ça blague. Mais oui. Ok, à moi. Hier, je lavais la voiture avec mon fils. Il m'a dit, papa, tu ne préfères pas utiliser une éponge? Oh. Elle a ri. Elle a ri. Elle a ri. Je respire. Non, elle rit. Elle a ri. Une vidéo. Alors, moi, je dis qu'elle a fait la fin. Est-ce que j'ai des problèmes de santé? Ouais, non, voilà. Non, non, il n'y a aucune excuse. Ça, je le mettrai. Hein. Non. Vous avez pété la gueule. Non, un Français arrive dans un magasin au Maroc. Il lui demande au vendeur. Bonjour monsieur, vous avez des films porno s'il vous plaît? Le vendeur lui répond. Oui monsieur, nous avons des films pornos pour nous. Allez, allez. Ah oui. Ah ouais. Oui, j'ai eu. Mais c'est elle qui me fait rire. Seul dans le nord, solo, je place par le plein, tu es dans l'espace, dans mes pensées, solo, je chante. Je sais plus. D'ailleurs, normalement, j'ai un nouveau son qui est sorti. Normalement. Avant. Nous, on a eu des petits sons. Alors, quel est le point commun entre un livreur de pizza et un gynécologue? Aucune idée. Ils peuvent la sentir, mais pas la manger. La touche. Je rigole. J'ai pas compris. Je souris. Ok. Je souris. T'as pas compris, Alicia? T'as pas compris, Alicia? Bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez. Quelle est la partie de la voiture la plus dangereuse? Et avoir dans les yeux. La conductrice. Ah mais t'es vraiment un bâtard. T'es vraiment très sexiste, hein, depuis tout à l'heure. Pourquoi est-ce difficile de rompre avec une copine japonaise? Je sais pas. Tu dois larguer deux bombes avant que qu'elle comprenne. Oh putain, c'est horrible. Mince, on peut pas la refaire. Qui est le point commun entre la poitrine d'une femme et un train électrique? Tu veux que je joue avec? C'est pour les enfants, c'est papa qui joue. C'est bien. Attends. Tiens, rigole, le truc de cul. Oh, mais vas-y. Alicia, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu des blagues. Ah, elle est enceinte. Comment? Oh, Alicia, c'est qui le père? C'est Antoine. Avec Alicia et moi, non, les deux en même temps. Putain, il est chaud. Ah, non, non, je rigole, je rigole. Je rigole, je rigole. Quel est le point commun entre une Ferrari et un enfant de 5 ans? Ou une enfant, si tu préfères. Je sais pas. Quand tu rentres dedans, tu déchires tout.
Non. C'est mon nez, ouais, c'est bon. Mais attends. C'est quoi le point commun entre une Ferrari et une érection? Une Ferrari et une érection. Une érection? Ouais, une érection. Bah là, j'ai pas de Ferrari. C'était ça. Je sais pas. Comment sortir un bébé d'un mixeur? Avec une paille. C'est vache. Comme Clémence. Qui est la différence entre la bière et la pisse? Ça n'a pas le même goût. Environ 15 secondes. Qu'est-ce qui a deux pattes et qui saigne? Qui saigne? Il veut dire une meuf. Il rigole déjà, il n'a même pas dit la réponse. Non, Nathan, non, non, elle sourit, Nathan. Nathan, elle sourit. Un demi-chien. Je l'ai eu. Je me suis dit, vas-y, elle va pas marcher celle-là, c'est trop hard. Deux femmes discutent. Mon mari, lui, il est en or. Le mien. Allez hop. Ah, oh, bon, merci Alicia. Le mien, il est en tôle. Il a pari, Nathan, tu rigoles pas, fais ta blague. Il a pari qui tonne. Pourquoi la petite fille tombe-t-elle de la balançoire? Parce qu'elle n'a pas de bras. Et qu'elle meurt. Plouf. Elle a rigolé. Mais c'est pas drôle. Mais pourquoi tu rigoles? D'ailleurs, les perdants, ils font un TikTok. Ouais. Mais c'est un jeu TikTok. Alors, pourquoi les Bretons ont tous. Les Bretons sont tous frères. Les Bretons. Les Bretons. Les Bretons. Les Bretons, voilà. Okay. Les Bretons, ils sont tous frères? Ouais. Est-ce que ce sont des entre eux? Mais arrête, on dirait un Bolbec. Non, mais c'était pas la blague. C'était pas la blague. Non, c'est pas la blague. C'était pendant la blague. C'était pendant la blague. C'est mort. Okay. C'est mort. Ok, c'est bah mort. Au pire, de toute façon, je peux rigoler. Parce qu'ils ont qu'un père. Non. Non. J'ai fait quoi? Tristan, c'est l'histoire de deux putes. Qui se disputent. Non mais... Rigole. Bah toi aussi. Bah oui, je suis comme... Oh non. Non mais Nathan, tu m'as fait rire. C'est l'histoire d'un propos qui est fier. Il est fier par les fesses, il s'est assis et il est mort. Mais elle est connue celle-là. Non, c'est pas celle-là. Quoi? Tu connais l'histoire du pingouin qui respire par les pieds? Il a marché, il est mort? Non, il a des géox. Je suis sûr qu'il respire. Ah ok. C'est bien. Tristan, désolé à toutes les blondes, au passage. Bah non. Pourquoi? Bonjour maman. Désolée à la maman Tristan. Pourquoi les blondes préfèrent la pilule à la capote? Là, il y a la mère de Clémence qui arrive. Non. Parce qu'Antoine. Non. Tu suis là, Antoine, vas-y, continue ta phrase, Antoine. Car la pilule, c'est plus facile à avaler. J'ai pas bon. C'est un enfant qui va à l'école et qui ramène son chat. Son chat? Son ah. chat. Et il est nul, il a rigolé. Et la maîtresse lui dit à ce petit garçon, pourquoi as-tu ramené ton chat? Parce ouais. que papa il a dit à maman que j'ai bouffé la chatte. C'est ça. Ok, à moi. Quelle est la différence entre un thermomètre anal et un thermomètre buccal? Le nom. Le goût. Mais c'est pas drôle. Mais un thermomètre, tu le mets dans la bouche. Oui, non, mais c'est bon, il a compris. Hein. Alors qu'un anal, tu le mets dans le cul, bordel. Non, la blague était finie, la blague était finie. T'as fini, c'est moi qui parle. Et alors? T'as du peur? Bah ouais. Maman, pourquoi tu gémis? Tais-toi, lèche. Nathan, non. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Je sais pas. Non, vas-y, c'est bon. Elle gémit et elle dit au gosse, tais-toi, lèche. Parce qu'elle mouille, Alicia. C'est gênant! Mais vous, tu vas pas mettre ça! Oh, celle-là, je vais la mettre en intro! Melon, il me lèche! Oh, j'en ai plein, mais comme ça! Ils sont dans la forêt, au pied d'un chêne. Melon ramasse une feuille. Et il lui bouffe les glands! Les glands! Les glands, oui. Il lui bouffe les glands. Vas-y, termine! Il me lèche le gland. Combien de tours fait un bébé dans un micro-ondes avant d'exploser? Je sais pas. Je sais pas non plus, j'ai du mal à compter quand je me masturbe. Il arrive. Vous savez le plus triste dans avec l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès? C'est qui? Bah qu'est-ce qui est le plus triste dans l'histoire? Et Xavier quoi? Ce qu'il a pas vendu. Ah t'as Xavier Dupont de Ligonnès. Aucune idée. Si jamais il est retrouvé et incarcéré, sa famille ne viendra jamais le voir au parloir.
C'est normal, il les a tous butés. Elle arrive, mais c'est la seule meuf qui a été tuée. Comment appelle-t-on un boomerang qui ne revient pas? Attends, je l'ai déjà connu celle-là, mais je me suis... Un chat mort. Mais c'est trop, c'est trop simple. Oh, il y a eu un match de foot en Somalie. Oh non, je sais. Il y a eu un match de foot en Somalie. Il a fait 3000 morts. Pourquoi? Parce qu'il y a une bombe. Non, parce qu'ils n'avaient pas assez d'eau. Non. Parce que l'arbitre a sorti un carton. Ah non, elle est horrible. Un quoi? Un carton jaune, ils ont tous cru que c'était une biscotte. Ils meurent de la faim à l'heure, en fait. Ah ouais, on joue, je... Ah ouais, non, elle est pas ouf, elle. Quand Hitler s'est-il suicidé? Après avoir reçu la facture de gaz. Alors, je vais t'expliquer, mais c'était pas vraiment du gaz en bouteille, c'était... Oh, du... Oh, c'est pas drôle. C'est la fin de ce petit joke de papa. Du coup, j'ai perdu avec Alicia. Forcément, ça touche moi. Logiquement. Oui. C'était quoi? Oui. C'est pas de ma faute si sans scrupule, hein. Oui. Les rigolos ont perdu. Et nous, on était quoi? Parce que moi, j'étais pas rigolote aussi. Napcam. Ah, oui. Du coup, notre... Du coup, notre gage, c'est de faire un TikTok sur le compte de Clémence. Et vous allez voir jusqu'à la fin. Non. Vous allez vous allez voir juste après cette fin non, de vidéo. Non, à la fin de la vidéo. Ah, bah, que vous allez voir à la fin de la vidéo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Un épisode 2, pourquoi peut-être, pas. Mais la plus drôle. Je serai pas avec Alicia cette fois-ci, sachez-le. Je remercie Alicia, Nathan et Clémence pour cette vidéo. Ouais. Vous pouvez les suivre sur leur Instagram que je mets en description. C'était Alicia, au revoir. Even make sense, put the rollie on my wrist, but ain't no time. He didn't wanna fuck with me, cause I'm the one. He got all the drugs and I got all the